Et salut tout le monde, c'est Red Kill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est actuellement sur le jeu Titan Evolution Party, un jeu pas très connu mais qui a l'air d'être tellement stylé. Je vais devoir apprendre à me battre afin de détruire les autres titans qui se mettront en travers de mon chemin. Nous incarnons donc un titan qui devra se débrouiller pour s'entraîner au combat afin d'obtenir la meilleure évolution titan du jeu. Bon, bien évidemment, on commence avec le titan le plus pourri du jeu. Regardez-moi ça à quoi il ressemble. Tellement pourri que les autres le fuient. Tellement pourri qu'on dirait un pauvre humain d'ailleurs. Je retire ce que je viens de dire. Bref, juste avant de commencer l'aventure, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications. Car si vous ne le faites pas, j'enverrai mon titan colossal chez vous. Et vu la tête qu'il va avoir, vous feriez mieux de vous abonner. Allez, c'est parti pour cette aventure. Start game. Alors, comment jouer? Il s'agit d'un jeu très simple où nous devons tout simplement cliquer sur nos cibles. Laissez votre personnage se fusionner avec eux afin d'avoir la plus grande évolution. Ok, alors moi je suis qui moi? Je sais pas. Alors, on va cliquer sur lui. Ah ok, je suis lui apparemment. Vas-y, attaque lui. Oh, trop stylé. Alors, du coup, non, là, je fais que juste... Ah d'accord, de temps en temps. Ah, il faut que je clique dessus, non? Il faut que je reclique dessus, ok. C'est comme ça donc qu'on va s'améliorer. Donc là je suis à 12 sur 20 au niveau de l'expérience. Alors il faut que j'en bouffe encore 3 et ça ira normalement. Et ça y est, la première évolution devrait être là, attention. Ok, ça y est, on me différencie maintenant. J'ai des cheveux et je suis un petit peu plus grand. Un titan qui grandit a des cheveux. Ouais, ça on avait remarqué. Cela fait sens, oui oui. Donc là apparemment je suis à la deuxième évolution sur 12. Je ne peux pas voir les prochaines évolutions. Et la première c'était celle-ci. C'était un prototype, hein. C'est franchement, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, on dirait un humain. Ah merde, c'est vrai que j'avais retiré ce que j'avais dit. Bref, allez, on continue. Cette fois-ci, il faut que je prenne 40 XP. Alors, est-ce que ça me donne... Waouh ! Je peux les enchaîner trop facilement maintenant. C'est trop facile. Ouais, je prends toujours 2 en les bouffant. En même temps, c'est toujours les mêmes, ils sont tout petits. Mais peut-être qu'après, je pourrais bouffer des titans un petit peu plus grands afin de les démonter. Allez, encore 1 et ça sera bon. Donc, on passe maintenant à la troisième évolution. Enfin, plutôt à la deuxième. Et j'ai maintenant une petite coiffure. Je suis un peu mieux. J'ai quand même l'air beaucoup plus puissant. Je trouve que j'ai pris des bras. Et en plus, on commence à voir mes os. Et bientôt, on devrait voir mes fibres musculaires. Allez, on continue. Donc, là, on voit la progression au-dessus. Et on voit clairement que je suis qu'au début de notre aventure. Et, oh, je les mange. Regardez comment je les chope maintenant. Je les attaque. Je les prends et je les bouffe comme dans l'attaque des titans. Truc de fou. Par contre, il n'y a pas assez de titans là pour que je passe ensuite à la prochaine évolution. Alors, comment ça va se passer? J'ai bouffé tout le monde. Ah, il faut que j'appuie sur le Fever Mode. Ok, le mode arc-en-ciel. Ok. Oh, on dirait que ça lag, mais non, en fait, c'est que mon titan se déplace à une vitesse mais tellement folle. Mais ça va durer combien de temps ça? Ouah, je peux attaquer tellement vite. Allez, bouffe tout. Ok, plus que 2. Et c'est bon, plus que 3, là, c'est bon. Et voilà, c'est terminé, l'évolution suivante est disponible. Oh shit, je commence à avoir une tête bien effrayante. Donc là, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous conseille très vite de vous abonner à ma chaîne, parce que c'est pas une fois que mon titan sera ouf que vous devrez le faire. Alors apparemment, celui-là a une autre façon de manger les petits titans, hein. Ouais, j'allais dire les humains, comme d'hab. Mais non, non, c'est encore des petits titans, mais attendez, je vais les prendre. Oh, je les écrase avec les fesses. Alors comment je les mange du coup? Ok, j'ouvre la bouche et c'est très stylé. Et je m'assois après avoir mangé, ouais. Oh, l'attaque des fesses, c'est un truc de ouf. Et après je m'assois, je me pose, genre. C'est pour digérer, normalement c'est en marchant qu'on digère. Mais lui c'est en se posant, hein. Enfin qu'on digère mieux, hein, parce que heureusement qu'on digère quoi qu'il arrive quand même. Allez go, donc on va bouffer tout le monde. Et je pense qu'une fois que j'aurai bouffé tout le monde, je pourrais mettre le mode Fever Mode. Et avec ce titan là, ça va être encore plus ouf en vrai. Ah, il est stylé, hein. Et franchement, mais qu'est-ce qu'ils sont effrayants les titans. Rien que dans l'attaque des titans, c'est un truc de fou la tête qu'ils ont, c'est horrible. Allez, c'est bon, on a terminé pour ça. Et normalement, je vais pouvoir mettre le mode Fever. Ah non, il y a un nouveau titan, je m'occupe de toi, laisse-moi mettre le mode Fever. Tu peux mettre le mode Fever? Je ne peux pas. Ok, il faut attendre. Oh, il n'y a plus personne à manger. Allô? Bon, bah, ok, il va falloir attendre, on compte goutte. Où sont les titans? Putain, mais je me fais chier tout seul, moi. Ah ouais, ok, c'est bien ce qui me semblait. J'ai changé la date et l'heure de mon émulateur et ça a marché. Il y a plein de petits titans qui sont arrivés, donc il faut bien attendre en fait, en vérité. J'ai rajouté une heure, ça m'a mis plein de titans, hein, donc ça... Mais ça sera suffisant, hein. Pour la prochaine évolution qui arrive tout de suite, l'animation est très stylée, attention. Ok, c'est le Spider Titan. Enfin, une araignée à 4 pattes, oui, bon, d'accord. Alors lui, apparemment, avec ses 4 pattes, il est hyper rapide. Donc on va tester ça, attention. Oh ouais, 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 tellement rapide que ses pattes, elles deviennent toutes floues. Comment il mange comme un chien, en fait, hein, avec la tête penchée, là, comme ça. Bon, il va me falloir du monde, là. Il faut que j'ai 240 XP, ok, ok, ok. Allez, on y est presque.
On va peut-être pouvoir retourner sur deux pattes et devenir encore plus grand. Attention, c'est parti. Nouvelle évolution et attention, il s'agit de... Oh, il a un gros bide. Ah, mais il a encore ses quatre jambes, mais également quatre bras. Ou alors, je sais pas vraiment si c'est des bras, ça. En tout cas, il a des magnifiques cheveux, celui-là. Apparemment, son sourire, c'est le fruit de quelqu'un qui a réussi. Allez, c'est parti. Alors, comment il bouffe, celui-là, ok? Il écrase avec ses... Il met des grands quatre coups. Ah ouais, il mange directement par le ventre, celui-là. Au moins, ça va plus vite. Allez, hop, tout dans le bide. Ça se voit qu'il prend tout dans le bide, d'ailleurs. En tout cas, il met vraiment quatre coups de pied pour tuer ses cibles. Ça y est, on y est presque. J'en aurais mangé en tout 240. Pour avoir donc l'évolution qui arrive. Par contre, j'ai toujours pas eu le mode arc-en-ciel. J'espère qu'avec la prochaine évolution, on l'aura. Allez, c'est parti, attention. Et là, ça va être n'importe quoi, je vous le dis. Oh shit, qu'est-ce qu'il est dégueu. On dirait un tas de morve. Ah non, mais celui-là, il est dégoûtant, vraiment. Regardez-moi ses lèvres, cette bouche. Waouh, mais quel beau muscle. Allez, montre-le-moi en grand, là. Viens ici, grand. Waouh. Ok, alors comment il bouffe, lui? En tout cas, on est à la moitié des évolutions. Ah, mais j'avais pas vu, j'ai la même coiffure que Jules. On m'appelle Titan. Bon les abos, je viens de farmer pendant tellement longtemps, on y est presque, on va pouvoir passer à la suite. Ouh, ça fera 400 titans pour cette session. Et les titans, ils rajoutent que 2 hein, seulement en XP. Allez, c'est parti, nouvelle évolution, ça fait plaisir. Et attention, ok, on est un petit peu plus petit. Et c'est un chanteur, c'est un titan chanteur. Alors, comment il va bouffer lui? Est-ce qu'il bouffe en chanson? Wow, attendez, regardez, il est tellement rapide que il fait des clones. Ah ouais, d'accord, pour bouffer, il se met... Se met au sol, quoi. C'est bizarre, ils font tout ça, les titans. Ok, alors là, maintenant, il faut que j'en mange 600. Heureusement que je peux modifier l'heure. Hein. Sinon, ça mettrait tellement longtemps à apparaître. Pfiou, 1146 XP. Il s'agit de la dernière ligne droite avant la prochaine évolution. Allez, mon pote, bouf, 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 bouf. Qui est presque. Dites adieu au chanteur, là. Qui va être remplacé par... Attention, c'est bon. Là. Wow, ça y est, enfin. Oh, celui-là, c'est clairement le meilleur qu'on a eu depuis le début. On voit que ses muscles. Donc là, c'est le niveau 9 sur 12. On va voir comment il mange, celui-là. Comment il détruit ses victimes. Wow, ok. Ça les attaque comme ça. Ah ouais, après, il les amène tout simplement à sa bouche et il les mange tranquillement. Mais alors lui, il fait les bonnes attaques. Oh, mais ça va, j'ai que 1400 XP à faire. Faut que j'en mange quoi? 700? Bon, ça va, ça va. Petit, 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 venez ici. Continuez à me feed. Vous serez les derniers à voir mon évolution avant que je devienne quelqu'un d'autre. Salut à vous, je me transforme. Bye tout le monde. Et... Pla! Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est un singe titan! Un titan qui voudrait devenir empereur ou même roi. Ah d'ailleurs, il a une couronne sur la tête et c'est l'avant-avant-dernière évolution. Et alors, regardez comment il saute sur les pauvres petits titans! Bon, par contre, ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu le Fever Mode. Je vais devoir faire genre au montage alors. C'est parti! Alors que va-t-on avoir après ce titan singe? Je me le demande, mais ça sera l'avant-dernière évolution. Attention, c'est parti! Et... Oh, il a combien de yeux celui-là? Il a combien de yeux? Il a des tatouages sur le corps. Alors lui, c'est un roi, clairement. Il mange tous les humains qu'il croise. Il est trop stylé. Alors comment il fait ses attaques? Attention, ah oui. What? Il a un laser? Il a un laser. C'est son œil au-dessus de son nez, je crois, qui lance un laser. Et il mange avec ses deux mains. Bon, c'est clairement le plus stylé qu'on ait eu pour l'instant. Hein. Allez, mais du coup, faut que je mange maintenant 1000 petits titans pour la dernière évolution. C'est parti. Mon laser aurait eu raison de tous ces petits titans. Allez, c'est parti. Dernière amélioration tout de suite. Et là, ça va être le titan le plus ouf de la vidéo. What? Eh oh! 200 ans sont passés et le titan est tellement grand qu'on ne le voit plus. Il mange des nuages apparemment. Non mais là c'est devenu n'importe quoi. Alors, écrase-moi ça là. Ah ouais non mais là c'est rien. Hein. T'écrases avec les orteils comme ça, ça passe. Allez voilà, on finit. Il n'y a plus personne. C'est bon. Bon bah écoutez les abonnés, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous ai montré toutes les améliorations possibles des titans. Il y en a un petit là, il est là. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Salut à tous, c'était Redkill. Bye tout le monde.